Bonsoir tout le monde et bienvenue dans la quatrième sortie journal Mitan Journée pour semaine ça. Tout de suite, information en détail, président Sénat Joseph Lambert et président Chambre député à Gary Baudot, recevoir mercredi 14 novembre. Ambassadeur américain en Haïti, Michel Jean Sison. D'après président Sénat, des présidents ont été pour rencontrer tout. Ancien ambassadeur américain Kenneth Merten, qui est coordonnateur spécial sous dossier Haïti pour États-Unis, mais rencontre l'an Patrick fait. Il y a un extrait dans le micro Fedner Confident avec Moïse Ulbridge. Normalement, nous sommes supposés rencontrer avec Kenneth Merten qui a gagné une visite pour le terrain nous. Étant donné que c'est jeudi à nous programmer, mais l'ambassadeur américain fait des devoirs quand même pour lui venir et annoncer nous que nous avons gagné pour nous. Kenneth Merten nous rencontre autant et dans le début mois décembre, là, en Haïti, nous avons l'occasion de rencontrer. Mais nous parlons de tout ensemble. Ben, nous parlons des grands dossiers, nous parlons d'élections. Nous parlons de loi électorale, nous parlons de budget, nous parlons de situation d'insécurité, nous parlons de tout un ensemble de détails. L'autre dossier, Commission Affaires étrangères, Chambre députée, Chita parlé mercredi 14 novembre avec ministre Affaires étrangères, Bouchit Edmond. Dossier réforme à quantité de monde qui travaille dans la mission diplomatique, c'est quelques points qui tenaient rencontre là. Président Commission députée, Jean-Michel Moïse, encourage le ministre là, agit vite sous situation diverses compatriotes haïtiens qui vivent dans plusieurs pays. Toujours dans le micro, Fedner Confident avec Moïse Ulbridge. Gouvernement. En place là, tu déclenché une réforme dans la diplomatie que nous connaissons qui était vraiment qui a mal marché. Côté que des gens qui n'ont pas de qualité ni expérience, et puis c'est eux qui sont responsables consulat, nous responsables ambassade, de nos dans tout poste, et puis en pile influence politique, les amis, etc. Nous avons besoin qu'on exactement dans quel niveau et que. Et réforme ça et exactement qui point et dans la réforme dans qui côté avec lui nombre de monde parce que révoqué un peu de monde il y aura plein de monde dans la diplomatie nous avons besoin de connaître exactement combien de monde qui rappelé et combien de monde qui nommé franchement et mouvement personnel de différents missions diplomatiques l'autre bagage que citation bon nous sur point ça bon qui point exactement combien de monde il y aura appelé combien de monde alors, ça passe, le ministre dit moi que la banque moins document pas écrit, il n'y a pas moins chiffre exactement parce qu'elle n'a pas de gain. Il était supposé porter document ça et là, ponctuellement la communiquer. Non? Et aussitôt que nous gagnons document ça, n'a pas communiqué à la presse. L'autre bagaille, nous avons remarqué tout pendant différentes délégations nous fait. On a inspecté poste consulaire nous et ambassade nous joignent que un paquet de problèmes sur question et recruter sur place et qui toujours plus large que le nombre de monde que le ministère a envoyé pour, en mission pour représenter l'intérêt Haïti et pour servir ressortissants nous et nous avons besoin de questionner le ministre sur ce problème ça et nous demander le tout pour réformer bagage ça pour parce que gain des cas côté que l'état haïtien gain charge sociale dans pays étranger nous avons besoin de résoudre problème ça et surtout et moun sa auto pas souvent des qualifications des compétences pour faire genre de travail diplomatique que y a faire. De l'autre côté, ministre Affaires étrangères Bouchit Edmond dit depuis l'arrivée dans tête ministère par rapport à quantité d'expérience li gen dans système nan gen en pile réforme qui t'est commencé faite dans diplomatie la continuer yo. Concernant cas compatriotes nou yo qui dans pays Chili qui t'est manifesté semaine passée pour exiger pour autorité haïtien yo ba yo papier, ministre Bouchit Edmond dit direction centrale police judiciaire déjà traité plus passé 40 000 cas avant longtemps dossier ça yo a transféré Chili pour distribuer bay compatriotes nous. Toujours dans le micro Fedner Confident avec Moïse Ulbridge. De répondre à l'invitation de la Commission des Affaires étrangères pour me répondre à certaines préoccupations gagnées, notamment sur la question de retard gain passeport en République dominicaine et surtout problème qui était posé
et avec des, certaines accusations qui étaient parlées de passeport aux étrangers. Et je pense que je suis venu pour me déclarer qui ça avec eux. Et ensuite, je déposé des questions sur le processus de réforme au ministère, que y a un processus qui était commencé bien avant de venir, que je m'avais essayé de reviser et évaluer. Parce qu'actuellement, là, nous avons l'ORMRH qui est dans le ministère, là, qui a fait évaluation des fonctionnaires du ministère, m'obligeait de tenir. À partir de là, nous-mêmes, pour nous connaître comment on a avancé avec la réforme acte continuelle. Et nous avons parlé autour d'une diplomatie qui est beaucoup, une diplomatie beaucoup plus dynamique. Une diplomatie qui parle aussi du service du développement. Et pour nous sortir de l'humanitaire, de l'assistance humanitaire au développement. Et pour cela, nous sommes obligés d'avoir des missions diplomatiques qui sont proactives, qui sont dynamiques, qui ont des ressources qualifiées. Et pour nous, au moins, avec un objectif, pour nous réduire le personnel pléthorique. Parce que nous n'avons pas pensé que c'est normal pour en 2018, pour nous avoir des missions diplomatiques et consulaires qui remplissent avec le monde, mais en termes de résultats, ou pas. Ouais, et ça veut dire que si nous avons besoin de résultats, il faut nous avoir des personnels qualifiés, des ressources humaines qualifiées, et qui vont au service de cette diplomatie, de cette vision que nous voulons atterrir, qui sont une diplomatie de sens, une diplomatie de dividende. C'est-à-dire qu'ils ont une diplomatie qui est à la recherche d'investisseurs étrangers pour qu'ils contribuent au développement économique d'Haïti pour la création de la richesse. Il y a un document autorité chilienne a demandé, c'est le casier judiciaire ça, que DCBJ offre. Les maps gardent des rapports DCBJ pour quantité de documents retraités, ils allaient déjà, mais ils prennent un petit temps pour les retraiter. Parce qu'on a parlé de casier judiciaire, des documents que DCBJ va aller mettre. Pour rassurer que Mounza qui fait demande là, c'est pas un monde qui est déjà en contravention avec la justice, pour au moins ça va jouer tout dans la crédibilité de la DCPJ. Parce qu'il n'y a pas qu'à bailler un document à un monde, soit qui est recherché par la justice, s'il n'a pas pris le temps pour faire recherche ça. Et là, je regarde les rapports de DCPJ, moi j'ai plus de 40 000 documents déjà traités, déjà qu'à les rechercher. C'est-à-dire qu'il prend du temps, il prend un petit temps dans le processus là, mais il a demandé beaucoup plus de patience. Et à partir de là, pour permettre au moins un document ça. Et oui, nous, c'est vraiment regrettable. À chaque fois, nous jouons des citoyens haïtiens qui sont obligés de faire une manifestation pour un document au besoin. Et c'est malheureux. Et nous avons fait tout effort possible pour essayer de résoudre. Et nous avons que le CBJ travaille de manière inlassable pour le produit document ça. L'autre dossier, Observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie au CID, présenté mercredi 14 novembre là, dans Pétionville, bilan diverses réalisations parlement haïtien. Pendant des sessions ordinaires année législative 2018, là, selon bilan ça, Sénat République l'a réalisé 32 séances, Chambre député à bon côté pâle réalisé 34 séances. En suivant un extrait dans le micro, Louis-Nel Jean-Louis et Hervé Pierre. Premier, ça nous constate, le Parlement a dû gagner chaque mois pour pipiti 12 séances plénières. Ça nous les séances plénières, c'est lorsque vous réunis en assemblée, soit dans la Chambre des députés, soit dans le Sénat, pour que vous preniez de grandes décisions, voter loi, voter accord, prendre des résolutions, etc. Maintenant, sous 12 séances plénières par mois, ça bat ou pour année de session, ça a de bat ou environ en moyenne 80 séances. Pour année, eh bien, qui ça nous joigne? Dans le Sénat, il y a gagné seulement 32 séances. Vous avez dit 32 sur 80. Et dans la Chambre des députés, il y a gagné seulement 34 séances plénières pendant l'année législative. Et nous même constatons que il y a des mois où c'est une seule séance qui gagne soit dans la Chambre des députés, soit dans le Sénat. C'était le cas au Sénat pour moi août à moi septembre. Il y a une séance en août, il y a une séance en septembre. C'était le cas pour la Chambre des députés pour les mois de juin et de septembre. Une seule séance en juin, une seule séance en septembre. Nous estimons que c'est une situation qui pas acceptable. Nous suivons aussi l'autre instance à part séance plénière. Yo, gagné, ça a la conférence des présidents. Qui sont instances décisionnelles importantes au niveau de tout de Chambre. Yo. Qui gagne président de toute commission permanente, yo, président bureau Sénat, bureau de Chambre députée. Maintenant, conférence des présidents l'y réalisé 10 séances seulement au niveau de la Chambre des députés et 6 séances seulement au niveau du Sénat pour l'année. Nous suivons également le travail commission permanente. Il y a 17 commissions permanentes au niveau de la Chambre des députés et nous recensons 45 rencontres de travail au niveau du Sénat, excusez-nous. 45 séances de travail que 17 commissions permanentes ont réalisé pour l'année dans le Sénat.
Dans la Chambre députée, que situation est déjà inquiétante pour ce qui concerne le fonctionnement des commissions, parce que sous 20 commissions permanentes qui gagnent dans la Chambre députée, c'est seulement 8 qui arrivent à faire au moins une séance de travail pendant l'année et législative, non? Yon lot bord, directeur exécutif initiative société civile la Roni Desroches dit li souhaité parlementaire yo soigner image yo envers population an. Responsable aussi de la mandé tout pour parlementaire gen yon pi bon stratégie communication. Roni Desroches continue pour li mandé parlementaire yo améliorer relation yo à collectivité a et puis organisation dans société civile la. Toujours dans micro Lunel Jean-Louis ak Hervé Pierre. À la fin du mois de mai jusqu'à 5 juin, nous te faisons enquête. Nous faisons enquête par téléphone. Nous te gagnons une liste de numéros de téléphone qui étaient constitués de façon aléatoire. Et il y a ensemble de numéros de téléphone qui couvrit les 10 départements géographiques. Et enquêteurs, nous avons près de 24 enquêteurs qui t'es fait plus de 3362 appels. Et dans 3362 appels, il y a demandé Mounio, est-ce qu'il est d'accord pour répondre à un questionnaire concernant les parlementaires? Et nous avons 906 mounes qui ont été joints, qui répondent entièrement à ce questionnaire-là. Là, nous, en face, il y a un constat, nous capables de dire, qui est assez désolant. Eh bien, nous-mêmes, nous avons aussi de nous faire un certain nombre de recommandations à parlementaires. Parce que nous avons souhaité que parlementaires aient amélioré l'image et augmenté, n'est-ce pas, élevé l'opinion publique. Là. Premièrement, nous pensons que nous avons gagné une meilleure stratégie de communication avec la population. Deuxièmement, il faut que il a intensifié les relations avec les organisations de la société civile. Que bureau que vous gagnez et que l'État payé pour vous dans la circonscription, dans le département, que bureau ça vient un bureau dynamique, côté mon apprenti sorti, mon avis parler, mon avis exprimer, présenter doléances ou demandes. Ensuite, nous avons souhaité que vous gagnez un programme d'éducation par rapport à la population pour dire qui relie exactement et fait preuve de plus de transparence. Institut haïtien statistique et informatique apparaît pour réaliser le 5e recensement général population à Kay Mounrete. D'après responsable ici, l'activité ça doit être faite dans le premier trimestre année 2019. Là. Dans l'idée pour permettre population à gagner plus de données sur le 5e recensement, une équipe télévision nationale rencontrée mercredi 14 novembre, directeur enquête nationale à 5e recensement, Daniel Milbain. Un contre-rendu à Rachel Saint-Fort. Et puis Fresnel Toussaint. Cinquième recensement général population à Kaimounrete a permis que bon j'ai information, moun fait confiance, qui bat précision sous caractéristiques population, façon moun à vivre, qui disponible pour permettre décider ou prendre décision pour préparer, suivre et puis évaluer programme de développement pour tout pays à, d'après responsable IHSIO. Directeur enquête nationale à 5e recensement, Daniel Milbain, expliqué. Qu'on est à un niveau institution, il y a évalué un recensement pilote qui a déjà réalisé pendant l'année dans le département Grand-Anse, la Tibonite, Nord-Ouest et l'Ouest, pour porter correction dans logistique, formation, questionnaire. Le recensement pilote, là, c'est la dernière étape dans la phase préparatoire du recensement général. Là. Parce que le recensement pilote, là, c'est une sorte de simulation de toute activité qui pourra le faire réellement lors du dénombrement général. Donc, dans le recensement pilote, là, nous pourrons le tester, toute phase opération ça. Depuis méthodologie, recensement, organisation, recensement, comment nous pourrons le faire sur le terrain, outils de travail que nous pourrons exécuter. Nous allons travailler sur l'application que nous allons développer, nous allons voir comment l'application ça et tenue, comment
yo agi sur le terrain. Formation que nous bay agent nou yo, est-ce que formation ça te répond réellement à réalité a? D'après témoignage directeur Daniel Milbain, pour 5e recensement général population, il a utilisé outils numériques pour plus assurance dans qualité donnée yo. Gagné en terme d'innovation, n'a qu'a dit trois éléments essentiels dans 5e recensement ça. Premièrement, assurance qualité. Deuxièmement, dans l'élaboration questionnaire, nous prenons en compte les spécificités du genre. Et troisièmement, et non basé questionnaire noir sont recommandation des Nations Unies d'une part, mais également des méthodologies qui développées dans le sens qui a permis nous mesurer mobilité de la population, fonctionnement individuel. Puis loin responsable a fait connaître plusieurs milliers de monde qui a mobilisé dans le cadre de la réalisation du 5e recensement général là, pendant de préciser que formation qu'a faite pour tout le monde ça. Il y a près de 15 000 agents recenseurs lors du recensement général. Il y a 3600 superviseurs de district lors du recensement général. Donc il y a 24 responsables départemental, mais il y a près de 300, à peu près 300 responsables communal, parce que il y a des communes que n'a bien 2-3 monde la donné comme responsable, parce que commune ça au trop grand responsablement des participation collaboration population tout secteur dans vie nationale là pour faciliter bon déroulement activité yo. Recensement population, c'est ça fait nous tout en pote coller. National Democratic Institute organisé plusieurs sessions de travail avec 12 magistrats principaux et puis magistrats adjoints dans l'idée pour renforcer connaissance et capacité pour analyser budget étatique là. Session de travail ça visait tout sensibiliser à consulter population yo sous besoin yo et puis travail sur quelques projets pour faciliter développement rivé dans commune yo. Un reportage avec Stéphanie Charles et puis Michel Joseph. Activité ça qui baptisé en appuyer magistrat nou yo a permet 12 maires yo sensibiliser communauté nationale et internationale là sous défi et li local yo a fait face depuis là yo rentré en fonction. Bilan travail yo ak perspective pour moitié mandat yo, c'est quelques parmi points qui t'est abordé d'après directrice NDI Haïti Marie-Ève Bilodo. Dans le cadre des dernières semaines et des derniers mois, ce qu'on a fait particulièrement avec elle, c'est de les accompagner dans le cadre de la tenue d'activités de consultation publique dans leur commune respective pour les aider à vraiment aller vers leurs citoyens, de regarder un petit peu, de faire un bilan de mi-mandat, voir où est-ce qu'elles en sont, qu'est-ce qu'elles ont réussi à compléter, qu'est-ce qu'elles ont réussi à faire, quels sont les défis auxquels elles se butent et de voir avec leurs citoyens quelles sont les priorités, quelles sont les ambitions de leurs citoyens pour voir la dernière portion du mandat actuel et être en mesure de développer encore davantage sur ces priorités-là. Construction marché communal, route, centre culturel à Clecti, l'école communale, deux trois pour machanio, de l'eau potable, c'est ensemble projet, priorité magistrayo pour communio. Ça qui d'après eux-mêmes, qui a aidé la population à vivre plus bien. Lasca au bas, à part de tout l'autre besoin que nous gagnons, mais le travail que nous avons fait avec la population, surtout dans la section communale, nous avons ciblé avec yo trois projets prioritaires qui premièrement qui c'est un marché communal. Nous gagnons un deuxième projet tout prioritaire pour nous qui c'est tronçon route qui sorti dans centre-ville pour aller dans section yo côté jusqu'à présent le la pi tombé machine pas ca rentrer moto pas ca rentrer accident dans les paysan yo a gaspiller yo pas ca transporter au Port-au-Prince yo pas ca venir avec yo dans centre-ville yo pas capable régler rien son gon problème système d'adduction d'eau potable côté moun yo obligé parcourir plusieurs kilomètres pour aller prendre l'eau et de l'eau il prend li pas potable. Nous gain trois projets priorités pour communauté noire. Trois projets c'est qui ça? Nous gagnons construction route du premier section rivé troisième section la section communale et nous gagnons en marché public au niveau deuxième section qui c'est marché du 6 qui présentait bête de bétail. Ça c'est important pour nous en de communauté et troisième là c'est un abri communauté. Trois projets ça yo, c'est finalisation gare routière que nous commençons déjà qui pour finir.
Deuxième projet nous gagne, c'est construction d'un centre culturel et de lecture pour population spécialement pour jeunes. Et troisième projet que nous gagnons, c'est construction d'un dortoir communal pour marchands qui a fréquenté marché à Kayeya. Projet gabionnal, gabionnage et rivière Fonverette là. Deuxième projet, nous gagnons construction marché public Forêt des Paix. Forêt des Paix, je samedi, nous recevrons plus de 1800 marchands. Troisième projet, c'est un projet reboisement. Parce que si on n'a pas de gabionnage, nous pas parler de reboisement, c'est comme si c'est laver monsieur à terre. Parce que faut que bon travail qui fait en aval dans fond verrette. Le marché central, qu'on n'a pas, on n'a pas de marché. Dans le centre-ville, un bloc sanitaire, construction d'écoles communautaires depuis 28 ans qui a existé, on n'a pas de local encore. Les enfants sont obligés de loger avec les élèves du lycée. Pendant le mois d'octobre qui s'est passé là, dans tête collée avec NDI Haïti, magistrats ont mené plusieurs actions bon côté citoyen dans la commune, dans l'idée pour étendre ensemble revendications. Après Chita Palais sa yo ak atelier travail sa, magistrat yo promet y a partagé ak représentant exécutif la, parlementaire yo et puis représentant parti politique yo, constat ak résultat exercice sa sous priorité yo pour municipalité yo. N'après un coup de pause, reste information yo c'est pour tout de suite après. Dans la page internationale, le pays qui a annoncé qu'il pral rapatrier plusieurs milliers de médecins qui sont dans le pays Brésil. Médecins Sayote Brésil, dans le cadre d'un programme humanitaire qui est lancé depuis l'année 2013. Environ 20 000 médecins qui ont appris soin plus passé 113 millions de patients dans le pays Brésil. En pile, dans le passé, ces garçons, femmes et timoun qui sont dans la zone qui pauvre, côté diplômé brésilien, ils ne peuvent aller pour Kobio Baila, zone Sayo qui est loin, au soit problème. Insécurité. Une décision autorité qui m'a adopté après critique président Elia Jair Bolsonaro qui était lui-même déjà menacé pour suspendre le programme nan, et puis engager directement médecins qui voulaient rester dans le pays Brésil. Médecins qui m'a après tourné la caillou entre 24 novembre et 24 décembre. Dans le sport, sous plan local, ministre Jeunesse et Sport et Action Civique, la M. Edwin Charles, recevoir sélection nationale football Ampitea à mercredi 14 novembre dans le salon diplomatique aéroport ou Saint-Louverti. Sélection a été éliminée dans la 8e de finale Coupe du Monde Mexique 2018. Là. À l'étranger, basketball, grâce à une grosse performance de LeBron James, Los Angeles Lakers bat Portland 126-117 hier soir dans Staples Center. Et Steven de donner pour plus de détails. Sélection nationale football amputée rentrée dans le pays journée mercredi 14 novembre 2018 là après elle souhaite participer dans 15e édition Coupe du monde pour amputé à Guadalajara dans le pays Mexique. C'est ministre jeunesse espoir action civique là M. Edwin Charles accompagné avec directeur général MJ Sakla Mario Florville avec plusieurs autres cadres dans le ministère, secrétaire d'état handicapé Gérald Oyol avec président association football amputée dans le pays Ariel Valenboin qui recevra délégation dans le salon diplomatique aéroport au Saint-Louverture. Dans l'intervention, le ministre Poa te remet une plaque d'honneur à l'équipe nationale là, féliciter ambassadeur dans le gouvernement. Dans le président de la République là, son excellence Jovenel Moïse, dans le premier ministre là, Jean Risseyan, nous voulons féliciter, nous voulons remercier la sélection nous, qui souhaite faire un exploit à l'étranger. Nous même pas pour la canon, nous t'avons souffri. À chaque fois que sélection te gagne pour jouer, nous même nous t'avons tant retombé. Sélection joue 7 matchs, il gagne 6 là-dedans, il perd 10. Nous ne pas voulons perdre. Mais le jeu, il faut parfois c'est perdu pour nous perdre. Justement, pour nous être capable de recevoir, apprécier le geste qui t'est fait là. Dans la Coupe Mexique, côté que sélection a tapissé drapeau national là. Il tapissé bicolore là, il tapissé bleu et rouge là. Et il t'a fait fierté nous. Et c'est là, amis téléspectateurs, journal La Boute pour aujourd'hui. Nous remercions pour attention et fidélité. Restez branchés TNH pour reste programmation. Bon après-midi tout le monde.